Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, je vous ai laissé sur l'épisode précédent où je venais de revendre les pépites d'or et les pépites d'argent. J'ai tout revendu, j'ai acheté les munitions. Là, je vais aller jusqu'à la maison. On va rentrer, déposer tout ça dans les coffres et peut-être encore taper quelques zombies. On va voir un peu ce qu'on peut encore faire aujourd'hui. Il est déjà 16h30. Bon, on va voir ça. Allez, mais je vous coupe le trajet. Et je vous reprends dès qu'on a la maison. À tout de suite. Je vous reprends juste sur le trajet parce que je viens de tomber là-dessus. Et je trouve ça un peu. Bref. Mouais. J'étais jamais encore tombé là-dessus sur 7 Days. Ça doit être dans les nouveaux rajouts. Ça sympa quand même. Ils ont rajouté énormément de choses hein, quand même sur le jeu depuis. Bon, allez, ben je repose et je vous reprends tout de suite. Et voilà, on y est presque. On n'était pas si loin que ça. Allez, on va ranger tout ça. Je ne sais plus où on l'a mis. Je pense pas que ce soit ici. On va faire ça dans l'ordre. Je pourrais refaire quelques bandages éventuellement. Et mettre le reste ici. Alors, l'antibien non. Ça oui. Ça oui. Ça va dans les outils. Ok, pour ce coffre là c'est bon. Alors dans les outils on a dit ceci. Le reste c'est dans les armes ou dans la nourriture. Alors là, je crois que je vais garder un bandage médical sur moi, ça peut être pas mal. Mettre les antibiotiques, ça oui. Ceci. La nourriture, je vais garder un peu. Ah, le cache, je ne sais pas où on le met. Ça, ça. Voilà. Et alors, au niveau des munitions, voilà, quelques balles. Hop. On met tout. Voilà, petite réserve. Bon, je vais mettre le cache ici. J'ai fini de réparer, donc on va le remettre ici. Je vais prendre une clé à molette. Voilà, ce sera plus intéressant. Ah oui, j'aurais bien regardé au niveau des compétences. J'avais mis, c'est dans quoi? Alors, pour le petit pistolet. Dans le fusil, ok, ok. Magique, ça c'est bien, c'était pour mon voilà mon fusil à pompe. Ici. Débloque la fabrication des pistolets. Ah, j'hésite vraiment. Que j'étais occupé à Rush pour le. Pour avoir le cyclomoteur. Mais étant donné qu'on va bientôt avoir la horde et que quand même on a presque quoi, on a combien là? 3, 4, 5, presque 6, presque
1800 balles de 9 mm, ça pourrait être sympa quand même de faire le petit pistolet à prendre en main ici. Donc c'est vrai que ça ne vaut pas la peine. J'avais oublié qu'on en avait là. Donc je vais faire ce que j'avais dit. Mécano. Oui, mais pour mécano, il faut monter l'intelligence. Très bien, on va augmenter l'intelligence. Voilà. Très bien. Je vais réparer aussi vite fait mon fusil et ma masse. Réparer. Ça aussi, tant qu'on y est. Voilà. Comme ça, on est paré. Je vais regarder un petit peu les forges. On a les bétonnières. Que Demi-Fou a dû faire pendant que j'étais pas là. C'est pour ça qu'il a été scrap. Ouais, ici, il n'y a plus rien. On peut la désactiver. Ici, il y a encore un petit truc. Et voilà. Il n'y a rien en construction. Non, sinon après, il va pas être content. Ok, il a relancé deux pierres à pavé. Ça, c'est très bien. Très, très bien. Eh bien, ah oh, attendez. Excusez-moi, petit imprévu. Bah, c'est pas compliqué, je vais faire une petite pause. Tout simplement parce que je dois absolument répondre au téléphone. A tout de suite. Et me revoilà. Un petit imprévu. Ça, c'est l'inconvénient du record. Bon. Bien, on va voir si les feux fonctionnent toujours. J'en suis où? Au niveau de l'XP. Il me manque 3000. C'est pas beaucoup, 3000. Peut-être éteint les feux, j'ai l'impression. Il a éteint les feux. Alors, est-ce que je rallume pour avoir des crieuses? Je pourrais faire ça. Hein. Non, en fait, il n'y a plus de bois. Du bois, j'en ai un peu. Hein. Il y a combien de feux? 6. Bah écoutez, on va faire ça comme ça. Hein. Par combien de temps? Oh, c'est loin. Ok, d'accord, je vais en mettre un petit peu. Plus 50, c'est bien. Elles vont fonctionner 40 minutes. C'est parfait. Et voilà. Bon. Eh bien, en attendant qu'il y ait une demoiselle qui se présente, je propose que je creuse un peu. Je vais creuser un peu, je vais pas couper. Hein. Un tout petit peu comme ça on va peut-être gagner aussi l'XP et puis s'il y a une crise qui vient, ben ce sera tout bénef. De mon petit tunnel hein, que j'avais fait pendant une des nuits précédentes, on était tombé sur un filon de nitrate et d'ailleurs ça monte très vite ici aussi, l'XP ça monte très très vite. Je dois juste faire attention de ne pas trop casser en dessous de la maison. Parce que là, on est vraiment en dessous, je pense. Et une chose que je pourrais faire aussi, hein, déjà anticiper, c'est mettre quelques torches aux alentours de la base, de l'endroit où on va faire la horde. Il verrait un peu plus clair aussi, même si j'augmente les gammas et que j'ai le casque. Non. Que j'ai le casque avec la lampe. Bon, quelques torches en plus. Voilà, ben, on crée un niveau. Très très bien ça. Et j'entends que le mauvais n'est pas loin.
devrait être dans les 30 000, je crois, de nouveau. Ouais. Ça va encore. Ça semble beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Voilà, juste là, sur les quelques coups de pioche, je suis quand même déjà presque à 5 000 d'XP, donc ça monte relativement vite. Petite session farm à l'ancienne. Pour ceux qui m'ont suivi au début sur mon stream, il y a, ça fait combien d'années maintenant? Quelque chose comme 4 ou 5 ans, je pense. 5 ans peut-être. Quelque chose comme ça. Ouais, l'époque des bons tunnels. Des tunnels où je me baladais en mini-bike pour aller plus vite. Qui faisait plusieurs kilomètres de long. Vraiment beaucoup de nitrates là, c'est bien. Je regarde aussi au niveau de la conception. Ça va, j'entendais du bruit, je pensais qu'il y avait peut-être quelqu'un. La conception des balles. Si. Je vais ici. Au niveau des munitions. À moins que je puisse pas le faire d'ici. Il faudrait que je regarde. Je vais remonter 2 minutes. Attendez, c'est par où? C'est par là. Regardez vite fait, voir si je ne sais pas crafter par hasard les munitions. Et si je ne vois rien au niveau de mon inventaire à moi, je vais dire, mais peut-être qu'au niveau de... Voilà, ici dedans. Ah voilà. Chevrotine, poudre à canon, papier. Poudre à canon. Sûrement là-dedans. Non ? Alors du charbon et de la poudre de nitrate. Ah. Allez, on va pouvoir commencer à se faire ça. Alors le charbon. Ah mais non, on n'en a pas. Ça c'est triste. Ah oui, c'est vraiment triste. Et au niveau... Ici, est-ce qu'on a un peu de poudre à canon peut-être? C'était où? Il me semble qu'on en avait. J'étais quasiment sûr qu'on en avait. Bon. Elle les a peut-être prises pour faire quelque chose. Mais non. Juste là. Juste là. Donc. Alors. Oh, il y a tout pour les manteaux. C'est ce qu'il me met là dans le chat. Eh bien, on va faire ça. Alors, le papier, on en a tout plein. Et chevrotine. Je vais regarder d'ailleurs. Mission 762. Pointe de balle. Ah, oui. Douille de balle. Ah, je ne peux pas les fabriquer parce que... Mais lui, il les fabrique. Ok, ben je vais peut-être pas utiliser du coup la poudre à canon. Hein. Je vais la laisser puisqu'apparemment il va se lancer dans les balles, donc ça c'est très bien. Alors la mini bike. Du coup. Châssis de mini moto. Ok. Alors. Le châssis, fer forgé, pièces mécaniques. Ah, c'est dans le coffre en bas. Il va falloir remonter tout ça ici, hein, sinon ça va m'embêter. Non, pièce électrique, non. Phare, je pense que oui.
des roues. Un moteur, je suppose. Une batterie, je suppose. L'acier, non. Le fer, oui. Le guidon, je pense pas. Ah, voilà. Pièce mécanique, on n'en a pas. Si. Ah, ici. Du coup, juste le cuir. Et... Ah, j'oublie chaque fois quelque chose. Le ruban adhésif qui est. On n'en a pas, je vais faire de la colle. Il va falloir du coup du tissu. Je ne vois pas de ruban adhésif là-dedans. À moins que ici. Non. Bon. Alors les os et le trouble en bouteille, je pense. On n'en a plus. Donc je vais devoir aller chercher de l'eau. M'avait pas, je pense. Ah, s'il y avait une piscine par là. Ça sera moins loin, je pense, que d'aller jusqu'au petit lagon. Il y a une piscine par ici. On va devoir se faire un petit point d'eau. Hein. Par contre, je ne sais plus dans quelle maison c'était. Ici, peut-être. Et ça, c'est beaucoup. J'ai pas des frames. Si, j'ai des frames. Non, c'est pas ici. Je pensais. Je sais plus où c'était. Au niveau de la map, je pense. Ah ben voilà. Non, c'est pas de l'eau, si. Ah si si si, c'est l'hôtel. Il y a un genre de petit étang au milieu. Hôtel qu'on n'a pas fait d'ailleurs. On ne l'a pas fouillé. Il y a du monde. Voilà. Je reviendrai le faire plus tard. Pour l'instant, j'aimerais vraiment bien faire les mini-bikes. J'hésitais à vous faire un peu plus de coupures. Mais je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Ça serait peut-être plus dynamique au niveau de la vidéo. Mais par exemple ici, ben, j'aurais fait une coupure jusqu'au moment où je suis au bord de l'eau. Je prends l'eau, donc là je vous reprends en vidéo. Puis je remets pause et quand j'arrive ici, ben, je vous reprends de nouveau en vidéo. Essayez de faire plein de micro-coupures. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas. Bon. Alors, la colle. Je vais peut-être pas faire tout ça. Par contre, j'en ai besoin tout de suite, moi. Pile de poudre à canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je ne peux pas.
c'est juste que j'ai envie d'avoir vite fait les ingrédients. Alors, position, ruban adhésif. Voilà, on va déjà en faire 3. Il m'en faut combien? Il m'en faut 4. Et pièces électriques que j'ai oubliées. Ensuite le guidon de ressort et des petits tuyaux en fer. Ok. On a tout sous la main. Je pense qu'il va juste me falloir plus de pneus pour faire 2 mini-bikes. Il va me manquer 2 roues parce que nous n'en avons que 2. Bon, ça se trouve encore assez facilement parce qu'on n'en a pas d'autres. Non, oh là là, je suis impatient. Une petite mini bike, ça va vraiment être sympa parce qu'on va pouvoir explorer beaucoup plus. User joined your channel. Mauvais. Ah, enfin. Ah ouais, je discutais avec Kevin et tout. Ouais. Au début, je pensais que t'étais là, que tu t'étais mute pour faire ton intro. Non. Mais j'étais avec Poké. Hein. C'est exprès pour ça que je me mets dans un autre canal. J'ai pas vu que t'avais Poké puisque je suis en un seul écran. Alors. Il me manque juste 2 roues pour t'en faire une. 2 roues? Ouais, mais ça, c'est des loot. T'as vu, on peut pas les... T'as un établi. Alors, mais bien, oui. Établi. Petite bétonnière. J'ai armé plein de trucs pour faire de la poudre. T'as vu ça? C'est pas super terrible, parce que bon, tant qu'on n'a pas de points dedans, ça coûte quand même assez cher pour pas grand-chose. Hein, mais... Ouais. C'est déjà ça. Et on n'aura pas la horde aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce que le set n'est pas en rouge. Oui, non, ça non, mais clairement, oui. On l'aurait déjà eu depuis le matin, hein, la lune rouge. La lune, on s'en fout, mais le chiffre au-dessus, tu vois, il y a marqué jour 7, et ben, quand c'est la horde, à partir de 8h du matin, ça passe en rouge. Oui, c'est ça. Donc, jour 8 ou jour 9. Il y a de la cuineuse, me semble-t-il. Bon, j'ai pas de munitions. 50. J'en ai loot un peu là, j'en ai remis dans le coffre. Faudrait qu'on aille dans le désert pour farmer de l'essence. Ouais. Et les pneus, maintenant on peut plus les ramasser par terre là. Non. Ah. On peut pas les fabriquer. Peut-être. Ça s'appelle Will. Ah non. En roue. Si on peut fabriquer. Bien sûr que si. Charbon, bouteille. Je sais pas si on a des bouteilles d'acide. Si, tout plein. Ouais, bah ouais, on peut fabriquer alors. Ouais, vas-y, comme ça je fais une deuxième. Attends, avant toute chose. Voilà. Bon, du pétrole et du métal. Allez, dans 1 minute, on a la première. Du coup, je vais te refaire les composants. Un châssis. Et un guidon. Voilà. On a du fer, on a du métal, là, on n'a plus. Comment ça?
Ah, du fer forgé, si, si, je le remets dedans. J'avais pris. J'avais pris tout. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai encore sur moi? Non, c'est bon. Ah, il en reste que 36, faudra en balancer dans la forge alors. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai été fouiller quelques maisons là du côté des marchands. Quelques petits trucs sympas. Je vais aller farmer le bagnole, tout ça, tout ça. Il en faut combien des roues? Deux? Ah, oui. Ah, pour bien faire. Que deux? Ah ben oui. À moins que t'aies besoin de petites roulettes à l'arrière. Ouais, pour éviter de tomber. Voilà. Après on peut en faire plus parce que pour les motos, bah, il en faut deux. Le 4x4 il en faut 4. Ouais. Ah, bah, c'est fini la bail. Nice. Alors. Je suppose qu'il faut l'essence. Bien entendu du bruit. Ouais, il y a sûrement encore des crieuses qui sont. Attends, là. D'ailleurs j'ai oublié de mettre les gamins. Voilà. Il verra un peu plus clair. Oui, j'ai remis un petit peu de bois dans les feux. Non, je ne vois rien. Ah oui, d'ailleurs, la plateforme est un petit peu près de la base. C'est bien et c'est pas bien. Parce que quand les crieuses crient, elles font pop des monstres ici à l'intérieur. Des zombies ici à l'intérieur. Enfin, tout à l'heure, il y en avait un, quoi, mais bon. Peut-être que si la horde, elle vient de par ici, ils vont spawn à l'intérieur, donc faudra faire attention qu'ils puissent sortir, quoi. Ouais, bah faudra construire une vraie base, parce que vu que c'est un POI, en fait, il y aura toujours des spawns ici. Hein. Mis à part avec les lits, normalement, ça ne pourrait pas arriver, mais... Ah bah oui, poser la mini-bike. Peut-être. Faire ça de suite. Oh là là. Pourquoi je peux pas la poser? Je comprends pas. Ouais. Bah, tu la mets dans l'inventaire, enfin dans la ceinture. Ah bah si, bon. Si c'est bon. Je sais pas, c'était rouge en fait, c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait pas. Ok, bah juste 1000. Oh oui. Ah ça y est, enfin. Attends. Ah. J'ai un petit problème au niveau des touches. Comment ? Placement. Cule. Ok, turbo majuscule gauche. Marche arrière. Droite. On est bon. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le modificateur. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était... Ah, c'est ici. Storage. Ok. Sur là, il y a quand même quelques slots, hein, et que c'en est bien. On aura les deux. Pour explorer vite fait. Les alentours.
bientôt la tienne. Ah, il me manque le moteur, la batterie. Ok. Voilà. Pas de crieuse pour l'instant. Ça m'étonne. Alors elle dort à moitié là de l'autre côté des piliers. Allez, encore quelques secondes et t'auras la mini bike. Voilà, c'est à toi de la poser peut-être. Ouais. Je te mets l'essence avec, voilà. Toi, tu n'as plus qu'à la poser. Magnifique. On va regarder un petit peu de quel côté on pourrait aller. Le désert, là où on avait Pop au début, c'est pas mal. Petit désert, il y a des habitations, tout ça, on peut peut-être trouver une ville. Il y avait les deux marchands aussi. C'est pas mal. J'ai à manger, j'ai à boire. Clé à molette. On est bien. Il me reste un point d'ailleurs. En fait, je pourrais bientôt faire ce qu'ils appellent le cyclomoteur, mais c'est une moto en fait. Ouais, c'est la moto. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais, mais bientôt je pourrais la faire d'ici deux niveaux. Après, si t'as le plan, t'as pas besoin de mettre le point. J'ai pas le plan. Après c'est toujours bien, ça me coûte moins cher pour faire les composants aussi. Puis il y a le 4x4, et alors le dernier c'est quoi? C'est l'hélico. Ah. Ok. Et maintenant dans les véhicules, il y a des améliorations ou pas? Non. Toujours pas? Ils en avaient parlé ça, de pouvoir ajouter des choses sur les véhicules. Ok. Je vais mettre le point dedans. Voilà. J'aurais bien mis les points dans l'endurance ou quelque chose comme ça, mais bon. Très bien. Bon bah écoutez, je pense qu'au petit matin, on est à combien de temps là déjà? Ok. Je pense qu'au petit matin, je vous reprendrai au petit matin, là je vais faire une petite pause. Et puis on va commencer à aller explorer les environs. Hein.
avec la mini bike. Voilà, bon bah à tout de suite. Bon, eh bien voilà, petit matin, tranquille. On va partir explorer un mini bike. Petite expédition. Alors, je vérifie, on est bon. On va aller vers le désert. Fouiller par là. J'aurais dû réparer ma pelle. Attends, je fais vite ça avant de bouger. Voilà. Allez. Alors, on gratise, on laisse un peu les gamins. C'est encore fort sombre là. Et c'est comme c'était. Allez, let's go. Très rapide. Non, c'est lent. Ouais. Mes souvenirs, ça allait plus vite. Ah, mais dans tes souvenirs, il n'y avait pas la moto. Si, si. Ah non, il y avait la mini bike. Ouais. Ah, ouais. Si. On jouait Toxic avec Vengeance sur l'Alpha 17. Ouais, on avait joué un petit peu, mais il y a longtemps. Mais je me rappelais pas que la mini bike était si lente. Voilà. Ça va un peu fort là, le bruit de la mini bike. Allez, on est bientôt au désert. Mais alors, t'as mis le turbo? Bah ouais. Hein? Maintien à mage. Ouais, pareil, mais bon. Après, je suis un vrai pilote, hein. T'as vu, je prends les angles courts et tout. Ah, c'est ça. Ouais. Bah, c'est par où le désert? Eh, mais on est. Faut pas suivre cette route en fait. Ah, mais tu vois, en fait, elle descendait, j'ai cru qu'elle. Bon, mais c'est pas grave, on est pas si loin que ça. Hein. Allez, on va tourner vers la droite. Hein. Après la flotte, là, je vais les couper court. Je peux aller dans l'eau avec la moto maintenant. Ah oui? Ouais. J'ai trop de souvenirs de mini-bike bloqués là. Ah, mais il y a une ville ici après. Ah. Ah. En tout cas, je vois un bâtiment là. Ouais, ouais, ouais. Bah, go faire le tour de la ville, voir s'il n'y a pas un magasin d'outils. Yes. Alors là, il y a un truc de voiture. Déjà. Deux.
fait ça, hein. Non, non, on fait juste le tour. C'est une grosse ville en plus. Ça a l'air, hein. Oh là là. C'est outil, hein. Allez, là je vais baisser légèrement. Voilà. Allez, les mauvais, ils sont où? J'ai pris un petit pistolet hein, aussi. À s'amuser un peu. J'avais oublié ce plaisir avec le petit pistolet comme ça. Bien le bruit aussi. Malheureusement le headshot ne fonctionne pas. Il y a des bombes. Je vais aller avec toi hein. T'aider. T'es où? Comment t'es passé? J'entends que ça a pris cher. Petit saignement. Non, je fais le principal. Ok. Il y a du monde ici en dessous. Un demi-bloc qui m'embête. Ah. Quoi? Non. Oh. Le vautour. C'est pas vrai. Il m'embête. Hein. Non, mais... Il m'embête. Ça s'appelle le vautour et le chien. Quoi. Voilà. Ça suffit. Ah, il y en a un autre en fait. Ah, ok. Il y en avait deux. C'est bien aussi qu'il bougeait vite. Bon, un chien de vautour, bon, non. C'est gentil, mais non. Oh, tout plein de pièces, c'est quoi ça? Oh, modification de réservoir pour les tronçonneuses. Plus d'essence dedans. Ouais, pareil pour le...
La foreuse. Ok. Alors, c'est pas mal ça en fait. Hein. Résistance d'armure lourde, je gagne. Ouais, il est mieux. Même s'il est niveau 1, mais bon. Il est que niveau 1, quoi. Je vais pas le prendre. Ça, c'est de la mine, ça je reconnais. Non. C'est pas de la mine. Si, si, c'est de la mine. Une fois, mais pas deux. Hein. Fini ça. Ouais. Et full mine sur le toit. Connais un qui a dû se dire, ouh oui, vas-y, prends-la. Ouais. Ah, là au-dessus. Ça m'étonne, ça. Ah, mais il y a une trappe. Oh, pour descendre plus bas. On va aller voir ce qu'il y a là-bas en bas. Hein. Ah oui, d'accord. Caisse d'expédition. Cache secrète. Nice. D'accord. C'est bien ça. Non. Ça a failli être la cata. Ça a failli. Moi je monte, moi ici. C'est ça. Voilà. Ça a failli être la cata, hein. Alors t'es passé où? Je continue le bâtiment d'à côté. Ok. Regarde vite fait. Je regarde un petit peu. Ouh, oui. Stop. Bon bah écoutez, je coupe l'épisode là. On a quand même bien avancé, on a enfin les mini-bikes. Ça c'est vraiment bien. Et puis on a quand même une belle ville à visiter. Hein. Ça va très très loin là-bas, je vois des grands bâtiments. Ça va être sympa. Allez, bonne fin de journée, à la prochaine. Un petit mot, demi-fou, non? Un petit mot? Non. Non, très bien. Bah ce sera comme ça alors. Allez, à la prochaine, à tout à l'heure.